Bonjour à tous, donc ici MechaVF. Donc pour commencer les reviews de la collection Zyuden Sentai Koryuger, on commence donc avec le Koryujin. Koryujin, pardon. Donc basé donc sur les trois Zyuden-ryu présents, donc l'or rouge Gabutira, le bleu Stegochi et l'or rose Tressera. Alors que oui, dans la série, oui, c'est dit Torikella. Bon, c'est la prononciation japonaise, mais c'est tout. Donc, commençons aussi d'abord à présenter donc les yeux d'Enshi. Donc, ce sont les piles renfermant donc les esprits des Uyenru. Voilà. Donc, celle de Gabutira. Alors, vous voyez donc que ça peut se bloquer. Donc là, c'est quand elle est chargée. Donc, voilà. Donc, Stegochi. Ah oui, je vais pas présenter l'arrière donc de Gabutira. Et Tressera. Ainsi. Alors oui, donc vous voyez donc un éclat de peinture qui était enlevé, du rose. En fait, quand j'ai reçu, parce que j'ai reçu donc d'occasion, parce que j'ai acheté à quelqu'un qui voulait s'en débarrasser, je l'avais reçu mais comme ça. En fait, c'est que j'ai su donc avec la boîte d'origine, en fait, qu'il n'y avait pas de poche. En fait, si vous voulez, les yeux de Jay sont emballés comme ça, tel quel, scotché tel quel, pour la corrigine du moins. Voilà. Plev in. Alors notez que bon, pour le jouer c'est pas très intéressant. C'est donc cette face là qui va donc dans les Uyenru ou dans le Garbo Evolver. Donc maintenant présentation des Uyenru. Alors on va commencer par le plus gros, Gabutira. Alors, particularité de celui-là donc, c'est qu'il referme donc deux piles LR03 pour donc activer des sons qu'on active ici. Donc juste des sons, aucune lumière. Donc après appuyer ici. Un ton spécial quand on aura s'appuyer dessus. Voilà. Donc, ça, Zyuden-shi, donc ça sert dans sa bouche. D'ailleurs, il reforme donc les mêmes codes que le Gabory Volver. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc vous avez donc le son d'activation au centre et donc une série de trois encoches sur le côté. Voilà. Alors oui, ce partie noire, donc ça va donc servir à fixer donc les Zyuden-ryu avec les Zyuden-shi. Alors, vous avez un son d'activation ici, enfin un espèce de bouton. Voilà, qui va permettre donc de reconnaître si y a un Zyuden-ryu avec une Zyuden-shi à l'intérieur est bien connecté. Donc, on y va avec Gabutira. Et donc, quand il a sa Zyuden-shi dans sa gueule, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa crinière se relève. Voilà. Donc, bien sûr, vous remarquerez donc cette grosse partie jaune qui formera donc la queue de Gabutira. Voilà, donc comme je peux vous la présenter, hein. Voilà donc la taille de la queue de Gabutira. Et vous remarquerez donc quand on enlève la queue, le Zyuden-ryu penche en avant. Ça fait, si vous voulez, la queue fait un peu contrepoids. Tout en finissant le look. Alors, on va pas appuyer sur le bouton du son, on verra ça tout à l'heure. Stegochi. Voilà. Ainsi.
Alors, pour insérer donc sa Zyodenchi, donc vous ouvrez donc sa bouche ainsi. Et vous y mettez donc la Zyodenchi. Donc ça se bloque. Pour l'enfoncer complètement, donc vous avez ici donc un bouton noir que vous avez pareil donc sur Tresera. Donc vous appuyez et vous enfoncez. Et attention. Donc la partie du dos se relève pour donc finir le Zyuden Ru. Voilà, Tresera. Donc vous soulevez donc cette partie-là et vous levez donc la gueule. Et vous insérez donc la Zyodenchi. Voilà, et donc ça se bloque aussi. Donc là, vous appuyez sur le bouton noir. Et donc cette partie-là donc va s'étendre. Et donc pour terminer, donc il faut tendre cette partie jaune. Ainsi. Et après, vous refermez donc la bouche et vous rabaissez les cornes. Voilà. Donc maintenant, le gâtail. Alors, pour plus de précautions, donc on va éteindre Gab et Gaboutira, c'est beaucoup plus prudent. Donc retirez donc lui la queue. On s'en occupera tout à l'heure. Alors ensuite, donc ses pattes. Donc vous le faites passer ainsi. Et de même de l'autre côté. Ensuite, vous appuyez donc sur ces deux boutons gris ici. Et vous étendez donc les jambes. Ainsi. Et vous relevez donc le corps de Gaboutira. Ensuite, donc vous abaissez donc les pattes de Gaboutira. Ainsi. Et vous tournez donc le corps 90 degrés vers la droite. Vous séparez bien entendu donc les jambes. Et donc ces parties rouges ici, vous allez donc les faire descendre jusqu'en bas pour faire donc apparaître ces parties noires de part et d'autre. Vous relevez donc ce qui va donc servir donc de tête ainsi. Alors, la queue de Gaboutira. Donc en fait, ça va servir aussi notamment à refermer le casque de Kuriushin. Ainsi. Donc cette partie jaune va retourner à l'intérieur. Donc la queue de Gaboutira, donc vous la fixez ainsi. Donc grâce aux deux connecteurs là et là, vous allez donc les placer à ces deux connecteurs dans le dos de Gaboutira. Et donc, vous allez donc finir la tête, enfin du moins mettre le masque sur la tête de Kuririn grâce à un connecteur qu'il y a donc ici. Le fixer donc sur la tête. Alors, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes normalement de mettre le casque alors que j'ai même pas encore fini de construire le robot. Mais ce n'est pas pour rien. Donc, on va rallumer donc les sons. Et mettre ceci de côté. Donc, on va donc préparer Stegochi et Tresera. Voilà. Donc, Stegochi. Donc, levez donc la goule et appuyez donc sur ce bouton noir pour faire ressortir donc la Zyudenchi. Assurez-vous qu'elle est bien à son emplacement prévu. Ensuite, donc les pattes avant et les pattes arrière. Voilà. Donc, cette partie-là, vous allez la retirer. Donc, ouvrir en deux pour faire donc une sorte de bouclier. Vous mettez de côté. Au passage, on retire la Zyudenchi. Tresera, donc les cornes avant, vous les faites passer à l'arrière. Ainsi. Vous ouvrez donc la goule de Tresera et vous sortez la pile. Et donc, comme pour Stegochi, vous mettez les pattes ainsi. Alors maintenant,
La chose assez amusante. Donc, vous allez donc scanner chaque Zyudenchi dans la gueule de Gabutira. Donc, vous retirez donc Gabutira et vous mettez Stegochi. Et très simple. Au passage, vous remettez les Udenchi à leur place. Une fois donc que vous avez donc scanné les trois Udenchi du Kyuriujin, vous appuyez sur ce bouton. Et donc, grâce à ces deux connecteurs donc sur le côté de Stegochi et de Tricera, vous allez donc pouvoir les connecter à ces connecteurs qui se trouvent là et là. Maintenant, on se tait et on écoute. Et voilà donc, en fait, quand vous avez donc fini de connecter donc les deux Zyudendron, donc faut que vous rappuyez ici donc pour marquer que vous avez bien fait le gataï final. Enfin, que vous avez bien tout connecté. Mais par contre, cela dit, au bout d'un certain moment, il le fait lui-même. Voilà. Donc le bouclier, cette poignée ici, donc vous allez la mettre dans la main qu'inclut Stegochi. Voilà. Ainsi. Mais, petite particularité de bouclier, c'est que, comme vous savez, quand les 5 Corrugers, donc ça veut dire que Gant et Green et Black les rejoignent, le bouclier se transforme en sabre. Sabre qui offre donc les 5 couleurs. Là, vous risquez pas de le voir. Voilà. Ainsi. Alors, ce n'est pas fini parce que en déconnectant donc la Zyudenchi de Gebutira et en la reconnectant, voilà donc le Kyuriujin, tout simplement. Alors par contre, le seul gros défaut, moi que je dirais, c'est que c'est quand même énorme. C'est vraiment énorme. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc aussi, très important, respecter l'ordre pour les scannages des Udenchi. Donc ça veut dire que si vous voulez bloquer en tant que barre droit, Stegochi, scannez d'abord Stegochi. Parce que si vous voulez, le système du Kyuriujin reconnaîtra la première Zyudenchi en tant que bras droit, ensuite en tant que bras gauche. Donc ça veut dire que si j'avais mis Tricera pardon, et Stegochi assis, quand j'aurais connecté avec Stegochi, ça m'aurait dit Tricera. Parce que c'est par rapport à l'ordre du scannage. Voilà. Est-ce que aussi il est important donc de bien mettre les Udenchi dans les Udenro donc pour le connecter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc un système de reconnaissance à l'intérieur donc des connecteurs noirs qui vous permet donc de bien voir qu'il y a une Udenchi à l'intérieur. Voilà, donc c'est très très important. Voilà.
Donc ma foi, je vous dis à très bientôt donc pour la review donc de Desuden Roux, Zagutor et Barasagun. Voilà, donc je vous salue et je vous dis à plus.